Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 12 avril, il est 20h25. Je fais une petite vidéo tout d'abord pour vous montrer quelques petites choses, mes avancées et aussi pour vous parler d'un stylet. Et je vais aussi en profiter pour répondre au tag de Roselyne. Donc j'ai été taguée deux fois de suite, mais là je fais qu'un tag, et la prochaine vidéo, on préparera une nouvelle toile ensemble, et en même temps je répondrai au deuxième tag. Donc tout d'abord, je voudrais aussi remercier les tout nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. J'ai pu voir qu'en très très peu de jours, j'étais montée assez vite. Donc je vous remercie beaucoup beaucoup beaucoup. J'espère que ce que je vous montrerai continuera à vous plaire. Je suis vraiment très contente. Ça, voilà, comme je vous disais sur d'autres vidéos, ça me booste pour continuer ma chaîne. Et donc, ça fait plaisir. Donc voilà, ma petite Roselyne, mon petit coup de cœur YouTube aussi. Je voudrais vraiment la remercier infiniment parce qu'elle me booste beaucoup. C'est une personne qui est très, très, très gentille. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez, enfin, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi à sa chaîne. Elle présente des petites vidéos qui sont bien sympas. Il y a des unboxings, vous allez faire connaissance aussi avec ces petits minous. Ils sont mignons comme tout. Enfin voilà, c'est une chaîne bien sympa. Donc voilà, donc on va commencer par le stylet. Donc Marie-Laure, qui a une chaîne qui s'intitule « Je peux pas, j'ai créa », avait posté une vidéo où elle faisait un diamond painting partiel, donc avec des diamants spéciaux, et elle demandait si on n'aurait pas, si parmi ses abonnés, on n'avait pas une solution, parce qu'avec les stylets basiques hein, qu'ils donnent dans les toiles, elle avait un peu de mal à placer ses diamants. Donc, Marie-Laure, si tu passes par là, je vais te présenter ce stylet. Donc, je l'ai eu sur AliExpress pour 2 euros et des bananes. Hein. Il y a un petit moment que je l'ai. Donc, tu as deux parties sur ce stylet. Une pointe fine et une pointe en cire plus grosse. Donc, c'est une tête qui est dévissable. Donc, une fois que tu as ton... faudrait que j'arrive à la dévisser. J'y arrive pas, évidemment. Donc, si, ça y est, ça vient. Doucement, mais sûrement. Non, purée. Bah écoute, Marie-Laure. Donc, bref, cette partie est divisible. C'est-à-dire que quand ta pointe de cire est très abîmée, tu peux la commander à part. Voilà. Donc, mais j'arrive pas. J'arrive pas à la retirer, j'ai l'impression qu'elle dévisse un peu dans le vide. Donc cette partie-ci, c'est pour les gros diamants. Donc pour les diamants spéciaux qui sont lourds, tu as juste à mettre ton point de cire sur ton diamant, tu le prends et juste tu le poses sans appuyer. Et après pour le replacer, moi c'est ce que je fais, pour le replacer vraiment bien, pour qu'il soit bien à sa place, tu prends la petite mine qui est ici et tu le replaces tranquillou. Et cette petite pointe-là, tu peux aussi la planter dans un pain de colle classique hein, pour les diamants plus petits, donc les strass, etc. Voilà. Donc, si tu passes par là, voilà moi ce que j'utilise que pour les DP partiels avec les diamants spéciaux. Voilà, voilà. Tu peux aussi t'en servir pour les diamants normaux. Hein, mais voilà, pour les diamants spéciaux, ce genre de petit stylet, c'est vraiment le top. Donc, moi, il m'a été livré dans son petit boîtier. Voilà, première chose. Deuxième chose, j'ai un petit peu avancé mon point de croix. Donc, je vais vous le montrer. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait toute la partie rose que vous voyez ici. J'ai avancé ici et les oreilles de mon petit ourson, les alentours. Donc, le derrière de ma toile, ça donne ça. Donc voilà, j'ai vraiment bien bien avancé, j'ai fait les yeux, le nez, enfin voilà. Je l'ai avancé un peu quand même, mon petit ourson. J'ai hâte de l'avoir fini parce que j'ai une autre toile en point de croix à faire. Ensuite, je vous avais posté une... comment ?
une vidéo où je faisais de la broderie perlée. Donc, je l'ai continué un petit peu après avoir fait votre, après vous avoir montré la vidéo. Donc, voilà. Je l'ai avancé un peu partout. Donc là, comme ça, et toute cette partie ici. Donc, j'ai remarqué que quand je faisais ma broderie perlée à l'horizontale, donc quand je prends les perles dans ce sens-là, j'ai du mal après à retrouver le trou pour mettre la, la perle d'après. Donc du coup, j'ai décidé de broder à la verticale et j'y arrive beaucoup mieux. Donc je brode maintenant dans ce sens-là. Mais je commence toujours mes points de la même façon. Comme ça, je ne me perds pas dans mes points et j'arrive à retrouver ma petite croix. Bonne nuit, ma fille. Elle va faire dodo. Excusez-moi, ma fille. Je vais me dire bonne nuit. Donc, du coup, je vais broder à la verticale. Comme ça, le point d'après, j'arrive à retrouver les repères, en fait. Donc, voilà. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'y arrive beaucoup mieux de cette façon. Je galère un peu moins. Donc voilà. Donc j'avais fait une vidéo aussi où j'avais sondé un petit peu mes abonnés. J'avais présenté trois toiles différentes. Donc il y avait un DP perso, il y avait le DP du hérisson et le DP des trois chouettes. Donc j'avais décidé de le laisser durant une semaine. C'est ce que j'ai fait. Donc je suis allée voir les commentaires que j'ai eus concernant cette vidéo. Donc sans surprise, c'est le DP perso qui remporte toutes les voix. Donc le prochain DP, ce sera le DP perso. Je n'ai pas avancé la toile orientale, hein, je n'y arrive pas. Pourtant, c'est une toile qui me plaisait à l'achat. Mais j'y arrive pas. Elle me botte plus, donc je l'ai laissée de côté. Je la reprendrai plus tard quand j'en aurai envie. Donc en attendant de commencer mon DP perso, j'ai commencé cette toile-ci. Je vais vous placer comme il faut. J'espère que vous allez bien la voir. Donc c'est un DP qui vient de chez Action. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Donc voilà, c'est un DP qui vient de chez Action, c'est un 40x60, donc ça représente des fleurs hein, dans un pot. Ça fait partie de l'ancienne collection de DP ronds. Il n'y a pas de diamants spéciaux, c'est que des diamants normaux. Donc voilà, j'ai commencé il y a 2 jours maintenant. Je vous avoue que comme j'ai plusieurs loisirs créatifs, la broderie prend un petit peu le dessus sur le DP. Pourtant, mon DP... voilà, le DP, c'était ma passion première. J'aime toujours autant. Hein. Mais du coup, c'est vrai que la broderie, pour le coup, elle prend un petit peu plus de place. Donc, voilà, voilà. Donc, ce soir, je vais répondre donc, au tag de Roselyne. C'est un tag... j'ai été taguée hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, pour celui-ci. Et le deuxième tag, j'ai été taguée aujourd'hui. Donc là, je vais faire celui d'hier. Donc, il comporte 10 questions. Donc, je vais y répondre et moi-même, je taguerai 3 personnes à la fin du tag. Voilà, voilà, j'ai noté toutes les questions. Donc, une fois que ma vidéo sera terminée avant de la poster, je vous mettrai les questions en barre de description pour pas que vous ayez à rechercher dans la vidéo... les questions. Hein. Donc, je vous mettrai tout ça en barre de description. Je me suis fait un petit cappuccino caramel aussi. C'est mon petit rituel du soir. Parce que je sais pas, je suis pas très en forme. Mes enfants ce week-end, pour Pâques, n'ont pas été très en forme non plus. Ma fille, là, elle est pas très très bien depuis qu'elle est rentrée du collège. Donc, je sais pas ce qui me prépare, mais ça couve. Et moi aussi, nous sommes en train de couver. Donc, vali valou, c'est parti, on va commencer à répondre au tag. Donc, je vais recharger mon stylet. Ce stylet-ci, je l'ai eu aussi sur AliExpress il y a peut-être 3-4 mois à peu près. Voilà, le stylet en question. C'est un stylet qui est fluorescent de base. Et c'est vraiment fluorescent hein, parce que je vous le ferai voir tout à l'heure, mais quand j'éteins la lumière, il brille vraiment beaucoup. Il est magnifique, je l'ai pris en vert.
Il y avait rose, je crois, vert, et il y avait une autre teinte, mais je ne me souviens plus. Au prix de 2 ou 3 euros aussi, je ne me souviens plus. Sur AliExpress. Donc, oh là là, voilà. Mon petit pain de colle, et je recharge, et c'est parti. On va répondre aux questions. Hop, voilà, une bonne chose de faite, un petit coup de capot. Alors, première question. Et vous croirez si vous voulez, j'ai oublié de prendre mes diamants. Je vais les chercher. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Vraiment, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Comme quoi. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai l'image. Donc, bah, je vais refermer ma boîte du coup. Vous allez peut-être mieux voir le DP. Donc, voilà, c'est ce DP-ci que je suis en train de faire. Hop, et je l'ai commencé le 31 mars. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Je vais faire les A, c'est ceux qui sont en bas là. Je vais faire cette partie-là. Tac. C'est parti. Je poussais ça parce que moi, avec la chance que j'ai. Alors, première question. Je disais donc, quelle est la fleur qui représente le printemps pour toi? Alors, la fleur qui représente le printemps pour moi, je dirais la pâquerette, parce que c'est l'une des premières que l'on voit fleurir au moment où il recommence à faire beau. Donc, ouais, je dirais la pâquerette. La pâquerette, c'est une petite fleur commune qu'on trouve partout, hein, au moment où bah, tout renaît. C'est vrai que c'est l'une des toutes premières fleurs à revenir. Donc, ouais, pâquerette. Deuxième question, que signifie Pâques pour toi? Alors, tout d'abord, je dirais c'est une fête religieuse, sauf que moi, je suis croyante, mais non pratiquante. Voilà. Je ne pratique pas. Donc, j'ai envie de vous dire que pour moi, Pâques ne représente pas vraiment quelque chose d'important. Voilà, pour moi, c'est juste un jour férié, on va dire. On offre des surprises, des chocolats à son entourage, à ses enfants. Et voilà, ça n'a pas réellement de signification, du moins pour moi. Donc, c'est pas, pour moi, c'est un jour comme un autre. Voilà, ça n'a pas du tout la même importance que Noël, par exemple. Ou ouais, vraiment Noël pour moi c'est la fête qui prend le plus de place mais Pâques non c'est un jour voilà on mange du chocolat on en offre à nos enfants et ça s'arrête là donc voilà c'est pas quelque chose pour moi qui est très très important. Troisième question. Aimes-tu les chocolats de Pâques? Ah, mais oui, mais moi je suis un bec sucré. Tout ce qui est chocolat, sucreries, bonbons et tout ce qui va avec, je suis une grande fan. J'aime le chocolat. J'adore le chocolat. D'ailleurs, je crois qu'à la maison, c'est très rare quand il n'y a pas de tablette de chocolat, quoi. C'est. Oui, on aime le chocolat, que ce soit moi ou mes enfants. Nous aimons le chocolat. Noir, lait ou blanc? Tout. Moi, je prends tous les chocolats. Tant que ça se mange, je prends. Mais j'ai une petite préférence pour le chocolat noir, j'avoue. Mais j'aime tous les chocolats. Voilà. Après, c'est vrai qu'au moment de Noël, par exemple, les chocolats que j'apprécie le moins, c'est ceux qui sont aromatisés au café. Ou pourtant, j'aime le café, hein. Mais le café qui se boit. Voilà, tout ce qui est à base de café, pâtisserie, chocolat ou autre, ceux-là, je les aime pas.
Mais sinon, noir, blanc, au lait, je prends tous les chocolats. J'adore le chocolat. Poule, lapin, œuf, peu importe. Voilà. Du moment que ça se mange, peu importe la forme du chocolat, j'ai envie de vous dire. Après, c'est vrai que pour mes enfants, j'ai tendance à prendre plus de lapin que de poule. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais si je dois acheter des chocolats à mes enfants, comme là, cette année, donc ils ont eu des Kinder Surprise, ils ont eu des chocolats en forme de lapin. Beaucoup de lapins, ouais. Ils ont eu beaucoup de chocolat à l'effigie du lapin. Et ils ont eu des œufs en chocolat aussi, hein, mais ouais. Plus lapin, je dirais, à offrir toujours. Mais après, en soi, pour moi, tant que ça se mange, c'est nickel. Tu pars à la campagne ou à la mer en week-end prolongé de Pâques? Non, nous ne partons pas. On reste à la maison. Et on fait Pâques tranquillou à la maison. Non, non, je pars pas en week-end prolongé. Déjà, et d'une, parce que je ne suis pas véhiculée. Donc, je ne suis pas libre de mes mouvements. Et pourtant, j'ai mon permis, hein, mais je ne suis pas véhiculée. J'ai eu le malheur de prêter ma voiture et on me l'a bousillée. Et ces très chères et tendres personnes ne veulent pas me rembourser la casse qu'ils ont causée. Donc en même temps, c'est de ma faute, hein, j'aurais pas dû prêter ma voiture. C'est comme une brosse à dents, ça se prête pas. On prête pas sa brosse à dents, on prête pas sa femme et on prête pas sa voiture non plus. Donc voilà. Donc je me retrouve sans voiture. Donc je suis pas libre de mes mouvements déjà dans le quotidien. Donc partir en week-end prolongé, c'est compliqué. Voilà. Donc non, je ne pars pas. Nulle part. Voilà. S'il fait beau, oui, je vais faire des sorties avec mes enfants, on va aller au parc, on va aller se promener, on va aller voir les mamies, les tatas et tout et tout. Mais à part ça, voilà, c'est je ne peux pas partir en week-end prolongé. Septième question, repas familial à Pâques. Alors non, comme je vous disais, Pâques pour moi ou ma famille, c'est un jour comme un autre. On s'offre des chocolats. Mais on ne fait pas de repas spécialement à Pâques. Voilà, on est un peu chacun chez soi, on se voit dans l'après-midi, on se fait un petit coucou, voilà, on va s'offrir des chocolats, on va se boire un petit café et tout ensemble, mais vraiment comme le quotidien en fait, il n'y a rien qui change, on ne fait pas de repas, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Huitième question, avril, est-ce un mois qui te rend heureux? Enfin, heureuse pour l'occasion, pour le coup. Oui et non. Oui, parce que c'est la naissance d'Alexis, donc mon deuxième enfant, qui est né le 2 avril. Mais mis à part ça, c'est un mois comme les autres. Pas spécialement, voilà. Il y a juste l'événement de l'anniversaire de mon fils, mais voilà. Mais à part ça, non. Pas spécialement. Donc, on arrive à l'avant-dernière question. Donc, neuvième question. Quelle image, couleur ou odeur définit le printemps pour toi? Donc, bah, les images, bah, c'est les arbres qui refleurissent, les petits bourgeons, les fleurs qui réapparaissent. Les arbres qui font de nouvelles feuilles, enfin, qui fleurissent, hein, les arbres fruitiers qui commencent à fleurir aussi, je trouve ça super joli. Et s'il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup, une odeur particulièrement, c'est, bah, vous voyez, hein, l'hiver, personne ne tond sa pelouse. Et au beau jour, les gens ressortent les tondeuses et autres, et j'adore l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Je kiffe cette odeur, j'aime beaucoup. Donc voilà, s'il y a bien une odeur pour moi qui me fait penser que le printemps revient, c'est quand tout le monde sort dans son terrain, dans son jardin et que ça tombe de partout, ça taille ses haies, c'est une odeur, l'herbe fraîchement coupée, comme l'été, hein, quand les foins viennent d'être faits. J'adore cette odeur, j'aime beaucoup.
Voilà, donc la dixième question qui est la question subsidiaire de Roselyne. Avez-vous des lapins chez vous? J'en ai eu, mais j'en ai plus. J'en ai eu deux. Donc nous avons eu Caramel. C'est une ancienne collègue de boulot qui élevait donc des lapins et qui avait offert à ma fille un lapin qu'elle venait d'avoir. Hein. Il avait 2 mois et demi, 3 mois quand nous l'avons eu. Mais malheureusement, je ne sais pas, il devait être malade parce que bah, au bout d'une semaine, le lapin, eh ben, il nous a quittés. Donc on n'a pas eu très longtemps Caramel. Ensuite, ma fille a été super, super triste. Donc, nous sommes retournés en animalerie nous lui avons offert un petit lapin nain. Il était tout blanc, une petite boule de poils tout blanche, tout mignon, franchement. C'est elle qui l'a choisi, bien sûr. Elle est venue avec nous. Elle a choisi son petit lapin. On avait acheté tout ce qu'il fallait, la cage, enfin, sa nourriture, sa litière, enfin, tout ce qu'il lui fallait. Et elle l'avait appelé Léon. Et ce petit Léon, nous l'avons gardé au moins 5 ans. Et au bout de 5 ans, ben, il a fait comme Caramel. Hein, il est parti au pays de Coco. Donc, ouais, ça a été plus dur pour ma fille que pour moi, malgré qu'elle adorait son lapin. Elle a plus vite accepté que moi le fait que Léon nous ait quittés, parce que je l'aimais beaucoup, ce petit lapin. Il était vraiment très mignon. Il n'a jamais mordu, il n'a jamais fait de bêtises. Quand on le laisse en liberté, vraiment tout mignon. Enfin voilà, c'était un petit lapin que j'avais bien affectionné, j'aimais beaucoup. Donc quand il nous a quittés, ouais, ma fille a mieux intégré les choses que moi. Donc du coup, depuis le départ de Léon, nous n'avons pas repris de lapin. Par contre, nous avions repris deux hamsters russes. Donc, c'est des tout petits hamsters, super mignons. Je les adorais, mes hamsters. Mais mon chat, lui, en a fait un 4 heures. Donc, bah, du coup, les rongeurs, pour moi, c'est terminé. Je n'en reprendrai plus. Que ce soit des gros ou des petits rongeurs, je n'en veux plus. Parce qu'à chaque fois, je m'attache à ces petites bestioles. Et ouais, c'est compliqué pour moi. Enfin, voilà. Donc, du coup, chat poisson. C'est suffisant. Donc du coup, c'est à mon tour de poser une question subsidiaire. Donc on va rester dans le thème de Pâques. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Suivez-vous la tradition du gigot d'agneau pour les fêtes de Pâques? Voilà. Voilà ma question subsidiaire et les personnes que je vais taguer devront en trouver une à leur tour pour leur dixième question. Voilà, ouais, oui, voilà, je reste dans le thème de Pâques et ouais. Voilà ma question subsidiaire. Donc, du coup, c'est à mon tour de comment? De taguer trois personnes. Alors, je vais taguer, je les ai notées quelque part, faut juste que je retrouve. Sont là en espérant, attention, oh, veuillez m'excuser quand je vous dis que je couve, c'est que je couve. Ah hein. Oh, bon sang, pardon. Donc, je vais taguer Mel et Céobise en espérant que les personnes que je tague n'auront pas déjà été taguées. Je vais taguer Marjo d'épée et je vais taguer. Je peux pas, j'ai créa. Donc voilà. Donc les personnes que j'ai taguées, je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Marjo d'épée, je sais plus si elle a une chaîne parce que c'est une abonnée qui est toute neuve, on va dire. Enfin, et donc j'ai pas encore eu vraiment le temps de faire le tour de toutes les personnes qui me sont abonnées. J'ai pu voir aussi que j'avais beaucoup de comptes privés. Donc, du coup, bah, j'ai pas accès à vos chaînes si vous en avez. Donc, je suis désolée si je ne peux pas m'abonner. Mais voilà, Mel et Céobise, c'est quelqu'un de très très sympa, qui fait des vidéos toutes sympas aussi, des unboxings, du point de croix, du DP,
Voilà, enfin, une chaîne sympa, une personne très sympathique. Je peux pas, j'ai créé, elle s'appelle donc Marie-Laure, je l'ai citée en début de vidéo en ce qui concernait le stylet. Donc pareil, hein, beaucoup d'unboxing, beaucoup de loisirs créatifs différents. Elle propose énormément de choses. C'est une chaîne bien sympathique aussi. Elle, personne très gentille, très avenante. Toujours un petit message sympa dans les commentaires quand elle vous répond. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes qui sont très très gentilles, très abordables, très sociables, avec qui l'échange se fait tout naturellement. Par les vidéos et les commentaires qu'on laisse. On a toujours une petite réponse, un petit truc sympa. Donc voilà, c'est très agréable. Donc allez faire un petit tour sur ces chaînes. Donc pour moi, en ce qui me concerne, la vidéo est terminée. Je vais finir, avant de poster cette vidéo, mettre toutes les questions qui concernent ce tag en barre de description, ainsi que les personnes que j'ai taguées. Et ben voilà, j'espère les filles que j'ai citées, donc MLC, Obiz, Marjo DP et Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous jouerez le jeu. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. Si c'est chose faite, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, ça vous permettra d'avoir des notifications lorsque je posterai une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ce sera certainement la préparation du DP perso qui a été choisi donc par mes abonnés. Et en même temps, je répondrai au deuxième tag de Roselyne. Voilà, donc ma petite Roselyne, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Mille merci à toi encore une fois. N'hésitez pas aussi à aller sur sa chaîne. C'est une personne qui est très gentille, toute mignonne. Très abordable, très 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 sympa, toujours un joli commentaire, toujours des choses très agréables à lire. Elle présente aussi des unboxings, du DP et voilà, vous ferez la connaissance aussi de ces petits minous, ils sont tout mignons. Donc n'hésitez pas vraiment, allez faire un petit tour. Moi je vais vous laisser, prenez bien soin de vous, éclatez-vous dans vos loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Et je vous retrouve dans quelques jours pour un autre tag. Bisous, bisous.